commande, s'inquiète. Juste une question. Ça s'est fini comment? Ah, hey, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On cherche à s'informer par ici. Je suis là. Du bon grain à vendre, 60 livres par fessée, c'est une occasion. Un homme comme on en voit deux. Quoi ? 400 nobles en armes honorés ? Sans la présence du général Lafayette ? Assez ! Veux-tu bien cesser tes jérémiades ? Tu ne fais que parler sans agir. Mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Parlons. Qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle, ainsi que d'autres, pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un peu bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? Fou défier le gars. La prochaine fois que tu vas foutre du conseil, je ferai toi une éduque. Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser ? Suggérant ? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais, et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah! Alors va. Vois ce que tu peux apprendre, mais pas d'autre imprudence. Oui, mentor. Salut, Arnaud.
prendre transit, il revient. Et tous les transports que j'ai consentis pour Voilà l'endroit. Pourquoi la Frenière s'y intéressait tant? Emmenez-le là-haut, vite! La touche, mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas? Es-tu loyal envers Rome ou la France? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Jure ta loyauté à la Révolution. Mais inutile de vous montrer hostile. Ne me dis pas de reculer. Sale traître. Thank you.
t'as un peu de bon sens, tu chercheras pas à savoir. Même chose chez nous. Green Team de mort. Caligula condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes, quand les politiciens se mettent à parler, ça peut durer des heures. Pouvait mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté. Et du despotisme inventable. Majesté divine, dont il conçut dans son délire de venger Dieu lui-même. Combien de temps faudra-t-il encore patienter? Allez! D'autres hommes m'attendent. Fais preuve d'un peu de patience. Le grand maître tient à ce que les politiciens soient partis. Allons-nous enfin apprendre à quoi riment nos récentes activités? Oui, tout de suite, pas clair. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Dis-moi. Et n'oublions pas que la première est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? La première est morte. Inutile de rendre les choses plus désagréables. Les assassins. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier et ils chercheront pas à en savoir plus. Ils fuiront sans poser de questions. Ils sont si prévisibles. Allez. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. C'est pourtant simple. Dis-moi ce que je veux savoir. Devoir me répondre. Inutile de rendre les choses désagréables. Allez, parle. C'est pourtant simple. Dis-moi ce que je veux savoir. Inutile de rendre les choses plus désagréables.
C'est terminé? Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure, peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. Luxembourg. Plaît-il? Ouais, Luxembourg. Tu vois quand tu veux. Rui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Jeté par la fenêtre. La place des ordures, c'est dans le caniveau. C'est fâcheux. Vous avez pensé aux témoins? Quels témoins? J'avais des hommes partout. Ils savent faire taire les bons samaritains. Vaudrait mieux. Le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. L'œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes? Un tueur, une lame, un couloir sombre? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Sivert et le roi des thunes. Sivert et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de Delacer? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Élise. Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Si je peux me permettre, vous n'aurez pas toujours autant de chance. C'est juste. C'est donc à vous, mesdames et messieurs, que je vais confier l'exécution de notre tâche. Quant à moi, je serai au sanctuaire pour y attendre la phase finale. Cela vous convient-il, capitaine? Je vais faire tripler la garde. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Bon, on ferme et on va aller se boire une pinte. Arrêtez-le! C'est un espion du roi! Il y a un espion par ici! Je crois que c'est un espion du roi. Tenter de s'échapper. Pour la révolution. Il y a un espion par ici.
Passez derrière ce chien.